Là. Bon, suite à moi, compte que nous avons fait avec le ministère du Commerce, nous avons déclaré zéro tolérance à la question du gaz là. Et puis hier soir, le commissaire Durand était déjà au travail. Je dis à moi, ma commissaire Edno, directeur adjoint du commerce là, direction départementale de la police, nous commençons vague mobilisation. Quand tout le monde qui a fait vente de gaz illicite dans le département, nous estimons qu'ils sont injustices, sont abus. Et nous, même comme autorités, nous ne sommes pas capables de tolérer. Et ce n'est pas dans la bouche qu'on dit, c'est par la pratique. Et je dis à la, nous avons fait limonade, nous avons fait quartier pour résoudre Power, nous fait quartier mourin. En entrant à Timoué, nous faisons une grosse saisie de monde qui stocke gaz pour faire marché noir. Qui ça, oui? Qui ça, de citernes gaz. Je pense que nous avons finalisé le travail aujourd'hui à Kapoumenao. Côté nous avons un indice qu'il y a des gens qui stocke gaz pour faire marché noir. De toute façon, la délégation Noa, des conseils avec la police, avec les parquets, et des deux juridictions du département, la direction de commerce, nous sommes décidés qu'on ne peut plus pour nous faire une question de vente de gaz illicite là. Parce que la population a besoin de gaz, il faut que le gaz soit vendu dans la pompe. Il y a des gens qui veulent faire commerce gaz, c'est pompe pour gagner. Et pour faire usage de vente de gaz en galon, l'autorité a privé sur eux et n'a pas agi avec la plus grande sévérité parce que. Peuple là bouqué et nous-mêmes n'avons pas assumé responsabilité non pour nous atténuer la situation. Okay. Ma passe à tout déroule, commissaire Grand Rivière et ensuite commissaire Cap-Haïtien et directeur commerçant. C'est à dans quel niveau même lié dans la juridiction voilà. Bon, juridiction ça, nous bien dit que nous décrétons la permanence contre eux, c'est personne que je peux appeler des voyous. Parce que c'est des gens qui ont enrichi, qui entrent dans le commerce illicite, en trafic et carburant, qui ont fait l'argent, mais qui mettent une population à genoux. Pas oublier que le gaz là, je vous dis, c'est un produit transversal. L'école qui n'a pas ouvert un gaz, ça prend beaucoup là-dedans. Parce que le prix en course machine, tout ce monde, etc., c'est exagéré par un pas capable encore. Nous, même contre monsieur Sao qui pensait à Pocho, nous-mêmes, comme hommes d'État, nous décidons pour responsabilité. Et nous avons fait en sorte que nous craquions de telle sorte que le gaz est disponible à la pompe. Si le gaz est disponible à la pompe, nous prix que l'État a voulu pour le vendre, mais il faut que le gaz soit disponible. Donc nous avons découragé. Et ça qui fait que depuis hier, nous avons mené une grande opération, nous-mêmes avec la police, SDPJ notamment, de saisir 4 camions citernes remplis de carburant. On peut tout dans la direction départementale. Et puis, monsieur, ça a une question là, qui vient répondre. Il va répondre drastiquement. Je dis encore, bien content que toute instance concernée est mobilisée, vient vérifier ce qu'effectivement il y a un dépôt, bien qu'il y a un cash
de produits côté caché produits spécifiques pour faire marché noir. Stand si là quand tu as parlé. Et stand gaz camion stand c'est là où nous saisis. Bon, nous-mêmes mais qui ça nous dit. Nous sommes juridiction qui entretient recul et regarder route là vraiment les intelligents est difficile accessible. Nous pas un problème pour aucun véhicule prend route juridiction pour entrer capable essayer pas de l'autre côté. Mais nous-mêmes, depuis qu'on camion citerne entré dans la juridiction, il décide de faire une route crochée, qui n'est pas route normale. Et s'il va avoir une destination fixe avec gaz là-dedans, on va saisir. C'est ça nous fait. Donc c'est des gens qui nous al kembe, qui fait une route cachée, une route embarrassée, puis ils vendent citerne. Puis ils vendent gaz. Et c'est comme ça qu'ils toujours fait. Quand le gaz va entrer, on ne va jamais côté arriver vraiment. Donc nous-mêmes, puisque c'est une destination inconnue, nous saisissons. Et n'a fait ça l'étalement de nous faire. Est-ce que nous pas identifié les propriétaires et ça jusqu'à présent? Bon, nous même c'est à partir de fait que nous agis, nous jouons un camion, nous jouons un chauffeur. Maintenant, s'il y a des propriétaires, éventuellement, il y a venu quand même parce que nous ne croyons pas qu'il y a une vie perdue. Il y a venu expliquer si c'est la clair, pour mettre le gaz, s'il va clair. N'a fait ça l'étalement de nous faire. Merci. Bon, oui. D'accord. Monsieur Edou, il y a beaucoup de temps pour nous. Oui, je dis à là, nous. J'ai un sentiment de satisfaction par rapport au travail que j'ai commencé avec les Poutounes aujourd'hui à l'heure. Pendant la journée, même pendant les délégations qui sont là, nous faisons des saisies. Nous saisis plusieurs citernes de carburant pour dès que nous paraissons dans un espace pour joindre plusieurs citernes stockées. Nous procéder à saisir et citernes à eux, nous poser ces lits sur des espaces pour que nous fassions stockage. Donc, comme vous dites, nous, délégation dit déjà, nous voyons ouais, qu'il y a des problèmes. Question carburant, les mêmes nous posent. L'école pas qu'à l'ouvrir, c'est question carburant. Donc, il y a des gens qui prennent malin plaisir, même lorsque le gaz a entré, ils ont stocké, ils ont refusé que le gaz arrive dans la pompe pour que tout le monde soit capable de venir. C'est ça que nous prenons disposition, nous disons désormais, nous avons découragé tout le monde qui livre dans le genre de pratique. Ça. Qui et sont les gens qui La justice a pas agi contre nous. Et nous avons tout profité pour envoyer un message clair à tout le monde qui a vendu gaz dans un galon dans la rue. Nous accordons une semaine seulement pour que vous finissiez de vendre et gaz qui était dans la mer déjà. À partir de la semaine prochaine, quel que soit le monde, nous allons surprendre dans la rue avec un galon gaz. Nous ne pouvons pas épargner du tout et la loi a frappé sévèrement. Merci. Niveau des commerces, bon, qui ça nous prend comme décision? Normalement, je dis assez une satisfaction et totale pour nous. Et parce que nous avons une population qui est aux abois, qui a besoin de gaz pour reprendre l'activité. Mais malheureusement, qui n'a jamais qu'à jouer de gaz. Cependant, le gaz a venu dans le département. C'est ça que fait, nous sommes obligés nous-mêmes comme autorité départementale, nous sommes obligés de faire une tax force et bien pour nous arriver. Et dans la pompe gaz à eau, ou bien dans des endroits côté que gen gaz qui stocké. Et bien, c'est dans ce sens que nous avons réalisé l'activité ça aujourd'hui pour nous voir comment nous sommes capables d'améliorer la situation de la population, pour nous voir comment le gaz lui-même n'est pas vendu dans le marché noir, mais son gaz qui va être disponible dans le propre côté que la population lui-même est capable de vacuer l'activité à l'aise. Donc c'est dans la logique ça nous-mêmes. Nous disons, on prend toute disposition qui est nécessaire pour nous combattre vente et carburant de façon illicite. Eh bien là, nous-mêmes nous engageons dans une bataille qui est très spéciale parce que faut que l'école là lui-même lui ouvre et pour l'ouvrir, la situation gaz là lui-même est supposé améliorer dans nous. Ça fait des mesures drastiques que nous-mêmes n'apprenons. Par exemple, il y a un propriétaire gaz qui pourra le faire une commande, eh bien, il y a des décisions qui pourra le prendre pour que la commande ça y a enregistré dans le ministère du Commerce et lorsque il finit de recevoir gaz là ou même, il y a bien pour notifier le ministère du Commerce que vous recevez gaz là. Comme ça, l'autorité départementale, l'État en général, va gagner plus contrôle de situation. Merci. Et il faut que nous ajoutions que nous ne pas prêter seulement là. Et nous avons bien pour nous travailler dans tous les deux juridictions avec le commissaire. Nous allons bâtir un calendrier de travail. Nous avons bien pour nous communiquer la presse calendrier ici là. Et ensuite, nous prévoyons mettre des spots de sensibilisation
parce que les gens qui vendent le gaz en galon, nous avons des décisions que nous ne pas prendre. Il y a bien simplement semaine ça jusqu'à vendredi, puis suspendre l'activité. Il y a des gens qui décident de faire commerce vendre le gaz, ils sont obligés de faire bon. Et les satos sont obligés de notifier l'autorité pour faire commande. Et les gaz à venir tout, pour faire nous connaître les gaz à venir. Mais une fois nous trouvons gaz dans n'importe quel côté dans le département, nous avons saisi et nous avons fait des arrestations. Merci. Merci. C'est un peu plus important.